Regardez le nouveau jeu que ma sœur a acheté à mes neveux. C'est celui-là. On dirait un jeu normal, vraiment. Alors qu'il est bien marqué que c'est pour 8 ans et plus, donc 8 ans quand même. Et regardez les cartes. Donc tu joues tranquillement avec tes neveux et après t'as... Touche la langue du joueur de ton choix avec le bout de ta langue. Fais semblant d'embrasser quelqu'un avec la langue pendant 40 secondes. Je vous rappelle que c'est un jeu pour 8 ans. Mets de la pâte à tartiner dans le cou du joueur de ton choix et lèche-la. Ouais. Enferme-toi aux toilettes sans lumière avec le joueur de gauche pendant 1 minute. Colle tes lèvres contre la nuque du joueur assis en face de toi pendant 1 tour. Fais un bisou au joueur de gauche à 10 endroits différents de son corps. 10 endroits différents. As-tu déjà embrassé un garçon ou une fille sur la bouche? À 8 ans, quelqu'un t'a-t-il déjà vu tout nu hormis tes parents? Ok. Fais pipi dans les toilettes avec le joueur de ton choix qui est de dos. Où on va là? Fais un bisou à quelqu'un du même sexe. Mets du ketchup sur le pied nu du joueur de ton choix et lèche-le. 8 ans, les gars, 8 ans. Tu as 1 minute pour créer une dispute entre 2 joueurs. Super. Dispute, super. As-tu déjà essayé un caleçon si tu es une fille? As-tu déjà essayé une culotte si tu es un garçon? 8 ans, les gars. T'es-tu déjà baigné toute nue dans la mer? Mais pourquoi tu poses cette question à un gamin de 8 ans? Imite un chien et renifle les fesses de tous les joueurs après avoir fait semblant de faire pipi sur leurs pantalons. Qui est, selon toi, le la plus belle beau parmi les joueurs? Explique-nous ton choix. Attends. Mais, genre, n'importe quoi. Retire une des chaussettes du joueur de ton choix uniquement à l'aide de tes dents. Je sais pas si c'est moi qui suis trop vite choquée, mais ce jeu est problématique. Vous en pensez quoi, vous ?